Les balances, que vous réserve le mois de juin, les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Les balances que vous réserve le mois de juin. Le mois de juin, que vous réserve-t-il les balances? Le mois de juin ici vous réserve un moment émotionnel instable. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Vous ne savez pas vous positionner dans une relation, ce que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. C'est comme les montagnes russes ici. Hein. Émotionnellement parlant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez le sentiment d'avancer à contre-courant. Vous voyez, vous avez le sentiment de forcer quelque chose qui ne devrait plus être là. Vous voyez, j'essaye de faire, je pense, je me dis que ça va aller, je me dis que ça vaut le coup, que les choses peuvent se rattraper, que les choses peuvent se réparer, s'arranger. Mais on a un peu, on a aussi le doute, tu vois. Tu te dis ça, mais en même temps, c'est contradictoire avec les gestes que tu fais, avec les gestes que tu fais ou celles que l'autre personne te présente. Tu vois, c'est comme avoir un discours. Avoir un discours, mais l'acte ne suit pas avec le discours. C'est complètement contradictoire où rien ne prouve ou rien ne montre que l'on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Nous avons la consultante ici qui peut bien être le consultant. Oui, la consultante qui peut bien être le consultant, mais non, ça ne va pas. Parce que là, on essaie, on essaie tant bien que mal de trouver position, mais il y a quelque chose dans le... C'est comme si quelque chose est déjà mort, tu vois, quand quelque chose est déjà mort, on essaie pas de le ressusciter, on essaie de faire comme si, on essaie d'avancer, mais il n'y a pas de productivité. C'est pour ça que je te disais que les paroles ici ne suivent pas avec l'acte. Du coup, c'est juste se contenter de peu, du minimum, des miettes, pourquoi? Parce qu'il y a comme quelqu'un qui se dit, je ne saurais pas faire sans. Soit sans toi, ou je ne saurais pas faire sans. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit je n'y arriverai pas. Tu vois, je n'y arriverai pas, je ne sais pas recommencer. Un manque de confiance en soi, ou quelqu'un qui s'est dit comment je pourrais revivre ça? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait m'accepter tel que je suis? Donc, tu préfères rester un peu dans ce confort que tu as, même s'il n'y a rien de productif, même s'il n'y a pas d'avancée certaine. Du coup, tu te bloques un peu toi-même à pouvoir accéder à autre chose de beaucoup plus bénéfique pour toi. Tu vois, tu te mets en retrait. Ou c'est tout simplement cette personne, non, qui t'empêche un peu d'avancer avec toujours ces histoires de... Qui t'accuse un peu à tort. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait des bêtises et qui essaie de tourner les choses autrement. Tu vois, qui t'accuse un peu de ce qu'elle a fait. C'est comme quelqu'un, moi je vois quelqu'un ici qui frappe et qui dit, ben, tu vois ce que tu m'as fait faire. Un peu comme si à la limite c'était un peu de ta faute si tu as reçu ce coup. Ça peut être vraiment un vrai coup, ça peut être quelqu'un qui vous frappe ici, tu vois, ça peut être quelqu'un qui vous frappe, qui vous fait mal. Donc, ou alors tout simplement c'est la relation que vous vivez qui n'est pas bonne pour vous.